Salut les amis, alors une vidéo spéciale Coupe du Monde. Alors je vais vous expliquer comment je vais faire maintenant mes vidéos pour quand le Mondial 2022. Alors 2022-2023. Alors comment je vais faire tous les jours, et à partir d'aujourd'hui, je vais vous faire montrer un résumé des matchs qui sont passés le jour d'avant. Ça veut dire aujourd'hui, il y a un seul match qui est passé, c'est qu'hier, c'est le Qatar contre je sais plus qui, et contre l'Équateur, excusez-moi, le Qatar contre l'Équateur, il y a eu 2-0 pour l'Équateur, un match pourri. Quoi, le Qatar continue comme ça et je les vois quatrième du groupe. Hein, et bon gagné, je les vois même pas avec un point. Les Anglais aujourd'hui a gagné 5-2. Et là, c'est la mi-temps du Sénégal Pays-Bas. Et il y a 51e minute, 0-0, les amis. Voilà. Alors, je vais vous faire une autre vidéo demain pour vous dire le score de ce match-là et du match de ce soir. Ça, je ne me rappelle plus c'est qui. Et tous les jours, je vais vous faire un résumé du match d'avant. Voilà. C'est qu'il y a une vidéo souvent pour vous dire. Voilà, pour qu'en 2-3 minutes, je vais vous faire un résumé des matchs de foot. Faut pas oublier, la France commence la Coupe du Monde demain, mardi, contre l'Australie. Voilà, alors là, j'ai rien sur les mains. Je vais faire un effort demain à prendre des notes. Voilà, je pensais c'est qu'il y a une bonne idée à faire ça. C'est vraiment pas prévu la vidéo là. Et voilà, je suis rentré du boulot, j'ai pensé à ça et j'ai dit je vais faire une vidéo tous les jours. Faut aussi savoir la Coupe du Monde s'arrête à la fin décembre. Et les pompiers y passent. On va les laisser passer. Voilà. Et le mercato, les amis, commence le 1er janvier 2023. Ça veut dire à partir du mois de janvier, je vais vous faire le résumé de l'OM. Mais avant ça, je vais vous faire des résumés des scores de tous les matchs de foot jusqu'à la finale. Oh là 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 là. Il va y avoir un but là. Le Sénégal a eu chaud. Voilà, les amis. Alors, la finale, je vais peut-être vous la faire en direct. Mais on verra, les amis. On verra. Ça, c'est vraiment pas sûr. C'est un très bon match. Alors, le match-là, je regarde. Il est quelle heure? Je sais pas, il est quelle heure, là. Il est 17h30. C'est sur Beansport. Il n'y a pas que les matchs sur KF1. Il y a des matchs sur KF1, des matchs sur Beansport. Mais 100% de la Coupe du Monde, les amis, c'est sur Beansport. Et moi, avec tous les matchs de foot, je vais regarder ce Summit Sport. Il y a moins de réclames déjà, et puis c'est mieux présenté. Et là, il y a une grosse faute, là. Avantage. Bon, voilà, les amis. Je vais vous faire montrer une minute le match de foot, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi le beau match de foot, là. Voilà. Les amis sénégalais, parce que je connais beaucoup d'amis du Sénégal. Et bien sûr, voilà, ça va pas bien tenir, ça va être un peu de travers. C'est pas terrible, les amis. Bon, ça va être la fin de la vidéo, je vais vous refilmer ma tête. Voilà. Alors, hop, là, on remet un peu pareil plus droit, là. C'est pas votre télé de travers, c'est bien mon portable. Ça va être mieux après quand je vais avoir ma caméra, ça va être bien mieux. Parce que là, laisse couper.
Alors abonnez, partagez les amis, tous les jours, un résumé de la Coupe du Monde. Ça va durer 5 minutes. Et demain, 21h, ce Minsport et KF1, France-Australie. Et allez les Bleus, 3-0 pour la France.